Quelle est ta mission au sein de Business et Décision? Je m'appelle Nassim Koulalan, je suis expert Talend. Ma mission au sein de Business et Décision consiste à accompagner nos clients en leur proposant des solutions techniques plus appropriées pour répondre à leurs besoins. Actuellement, par exemple, j'accompagne un de nos clients à la transformation digitale et à la migration des données sur le cloud. J'interviens également dans la mise en place de la solution préconisée auprès de nos clients et j'organise également des formations autour des ETL, comme Talend par exemple, sur lequel je suis spécialiste, et des outils de data virtualisation comme Denodo, un leader du marché de la data virtualisation. Par rapport à tes précédentes expériences, qu'est-ce que Business et Décision t'a apporté ? Alors, ce que j'ai remarqué au tout début à mon arrivée chez Business et Décision, c'était la facilité de contact avec les managers, avec le RH et avec notre collaborateur, évidemment. Et cette facilité, j'avoue qu'elle m'a beaucoup aidé à me sentir à l'aise et à trouver ma place très rapidement. Cette facilité, au fait, nous donne la possibilité d'exprimer ses idées et de partager ses connaissances avec les collaborateurs. J'apprécie particulièrement cette bienveillance, cette ambiance d'échange et la conjugaison des talents. Comment définirais-tu Business et Décision en trois mots ? En trois mots, le premier, c'est une USN, donc une entreprise humaine. Humaine parce qu'elle est à l'écoute des collaborateurs, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti, et elle essaye de satisfaire les demandes de chacun en termes de mission. Chez Business et Décision, le cadre de travail est très agréable parce qu'il y a de l'entraide entre les collaborateurs et de beaucoup de bienveillance. Et le troisième point, c'est des perspectives d'évolution compte tenu des sujets qui sont traités par Business et Décision, de la data, du cloud, du big data et le cœur du métier qui est le décisionnel. Donc un chantier très riche et des belles perspectives à venir.